suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi, mais je suis venu dans ce monde. Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce samedi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, également la messe en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, fils et filles du bon Dieu. Les textes liturgiques, 1 Roi le chapitre 19, verset 19 à 21, le psaume c'est le psaume 15. Puis l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 5, versets 33 à 37. Fils et filles du bon Dieu, d'abord la première lecture. La vie et les paroles des prophètes sont remplies de symboles. Élie parle autant par des gestes que des actes que par des mots. Notre monde également est trop fait des symboles dans notre vie. Ne méprisons donc pas les images vivantes. Ne méprisons pas les signes et les clignotants à chaque instant que le Seigneur adresse en chacun de nous. Nous allons assister aujourd'hui à une vocation, la vocation d'Élisée. L'homme qui va être consacré comme prophète, successeur d'Élie, c'est Élisée. C'est un homme ordinaire. Il est à son travail. C'est simplement un agriculteur. Nous aussi, le Seigneur vient nous appeler à ce même, au creux même de notre travail quotidien. Le Seigneur t'appelle, fils et fille du bon Dieu. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. C'est un signe de prise de possession, de possession. C'est un geste qu'on retrouve souvent dans la Bible. Ézéchiel 16, 8, Ruth 3, 9, Deutéronome 23, 1. Oui. Souvent, aussi aujourd'hui, c'est par l'appel d'un homme que se fait entendre l'appel de Dieu. Un prêtre, un ami, une religieuse, un religieux, un père, un responsable de communauté, un catéchiste, un responsable de groupe ou mouvement, un père, une mère, un frère, une sœur. Oui, sommes-nous assez sensibles aux appels de Dieu pour devenir capables de les répercuter aux autres à notre foi? Fils et filles du bon Dieu, dans l'humilité, dans la discrétion, mais avec la force de Dieu. Alors Élisée quitta ses bœufs et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. » Fils et filles du bon Dieu, il est prêt à suivre Élie, mais il n'est pas totalement, il n'a pas encore renoncé, il n'est pas totalement renoncé. Il a un sentiment très naturel et infiniment respectable. Mais fils et filles du bon Dieu, Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas. » Je n'ai rien fait. Autrement dit, si c'est ainsi, ne viens pas. Si tu penses d'abord à dire les au revoir, ne viens pas. Et Jésus-Christ va le dire lui aussi. Insistera pour que le disciple ne regarde pas en arrière. Luc 9, 59, fils et filles du bon Dieu. C'est vrai, de la vocation sacerdotale et religieuse. C'est vrai, toute proportion gardée pour la vocation chrétienne. Suivre Dieu ne se fait pas sans certaines ruptures, sans certains renoncements. Fils et fille du bon Dieu, depuis que tu suis le Seigneur, depuis le jour de ton baptême, qu'est-ce qui a changé en toi? Est-ce qu'il y a eu des renoncements? Est-ce qu'il y a eu des ruptures? S'il n'y a pas de rupture, tu n'as pas encore fait l'expérience du Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Oui, qui veut venir à ma suite? Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire un don total au Seigneur. Oui. Aujourd'hui, le paysan qui brûle son instrument de travail, Élisée, pour ne plus revenir en arrière. Jésus a demandé le même geste à ces pêcheurs du bord de lac qui laissent leur filet et leur barque. Oui, abandonner son métier, ses richesses, c'est un rude sacrifice. Il est demandé à certains pour le royaume de Dieu. À ceux qui ont accepté cette exigence et qui l'ont librement comprise, Jésus propose en échange une vie d'amitié avec lui. Faire l'expérience du Seigneur, l'ami de tous les jours. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Jean 15, 15, fils et fille du bon Dieu. Il faudrait que nous puissions nous engager dans la mission, dans le service de Dieu, de nos frères, de nos sœurs, s'engager totalement corps et âme, corps et bien. Couper les amarres, brûler son attelage pour ne plus être tenté de revenir en arrière. C'est un don à Dieu sans retour, fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 5, verset 33 à 37. Vous avez appris qu'il a été dit à vos ancêtres. Eh bien, moi, je vous dis,
Tu ne commettras pas de parjure. Tu tiendras tes serments envers le Seigneur. C'est effectivement la loi traditionnelle, Lévitique le chapitre 19, 12. De faux témoignages. Ne dira ni mentira aucunement. La loi ancienne était déjà soucieuse d'aider l'homme à dire la vérité. Elle interdit les faux serments, c'est-à-dire la prise à témoin de Dieu pour soutenir les choses fausses. Et dire, oh, si Allah le veut, je te dis au nom de Allah, au nom de Dieu, alors que tu es en train de mentir. Tu es un zambi, le makerika, alors que c'est du mensonge. Fils et fille du bon Dieu, voilà pourquoi le Seigneur rectifie nos attitudes, fils et fille du bon Dieu. Et moi, je vous le dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem, ni par ma tête. Jésus, une fois de plus, ne retient pas l'esprit de la loi et la perfectionne en l'intériorisant. Il faut toujours dire la vérité. Il est donc inutile de faire un serment quelconque. La parole humaine a une valeur par elle-même, par la sincérité dont elle témoigne. Inutile de chercher une garantie extérieure dans un serment qui fait intervenir du sacré factice, vis-à-vis du bon Dieu. En fait, si Dieu est présent à la parole de l'homme, c'est moins par l'invocation extérieure de son nom que par l'objectivité et la vérité interne dans cette parole et porteuse âme, fils et fille du bon Dieu. En recommandant de renoncer au serment, Jésus revalorise la parole humaine. Pour ne pas utiliser le nom de Dieu, les contemporains de Jésus utilisaient toutes sortes de circonlocutions qui laissaient la morale sauve, pensait-il, fils et filles du bon Dieu. Jésus dénonce cette mentalité faussée qui consiste à sauver les apparences, à être en règle matériellement avec la loi. Je n'ai pas juré par Dieu, car j'ai juré par le ciel. Souvent les gens disent, eh bien moi je vous dis que le ciel est le trône de Dieu, nous dit le Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Oui, que votre parole sera oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Tout ce qui est de plus vient du mauvais, fils et fille du bon Dieu. Les gens aiment contourner des paroles pour contourner, au lieu de dire oui ou bien non, on t'a posé la question. Oui ou non? Et très souvent, on contourne, on fait semblant, on jure pour montrer que non, c'est pas toi qui a fait telle ou telle chose. Alors que tu es dans le mensonge, fils et fille du bon Dieu. Oui, face à cet idéal exigeant, essayons de faire l'examen de notre vie. Est-ce que je passe mon temps par des contours? Je deviens chrétien gnoka gnoka, c'est-à-dire toujours comme un serpent en train de chercher des moyens pour glisser. Chrétien gnoka gnoka. Non, fils et fille du bon Dieu. Oui, une fois de plus, Jésus ne crée pas une loi morale nouvelle, un code de l'humanisme, même affiné. Le grand adversaire, le menteur, est là, derrière chacune de nos hypocrisies, de nos déloyautés. Le mauvais, le menteur, le démon, l'adversaire est là, l'ennemi est là, dans ton hypocrisie, dans ton mensonge de tous les jours. Parce que Dieu est vérité, voilà ce que voit Jésus. Parce que Dieu nous invite à vivre dans la vérité. Mais si la vérité n'est pas en toi, ça veut dire Satan est en toi, Satan est mensonge. Parce que ton mensonge, c'est Satan en toi, fils et fille du bon Dieu. Quitte Satan et viens vers le Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Cette journée de grâce et de bénédiction, bon week-end et de course de week-end en tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipé Yayo. Dans la nuit, condamnés à mort la guerre. Il a passé de loi plus grande que celle d'aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner.
Par ta vie tu es un apôtre, celle de la terre et lumière. Aimez-vous les uns les autres, les enfants d'un même père. Que de se donner, que de tout donner, que donner sa vie pour ce qu'on aime. Que faire de sa vie un beau poème. Moi je vous dis aimez l'ennemi, car tout homme sera ton frère. Soyez lumière dans la nuit, condamnez à mort la guerre. Il n'y a pas une loi plus grande que celle d'aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, que de tout donner, que donner sa vie pour ce qu'on aime. Que faire de sa vie un beau poème. Par ta vie tu es un apôtre, celle de la terre et lumière. Aimez-vous les uns les autres, les enfants d'un même père. Il n'y a pas une loi plus grande